Alors on va collecter tous les jours du 7 juin jusqu'au 15 juin, durée de l'événement, avec notre bateau, le Citafil, qui est équipé d'une grue en fixe sur le bateau, qui va permettre d'apporter à proximité de l'ensemble des embarcations présentes sur l'Armada des contenants spécifiques pour les trois flux différents que le SMEDAR souhaite qu'on collecte, les déchets résiduels, les bouteilles en PET, PEHD et le verre ménager. Lors de cette collecte, comme ça s'est passé il y a 6 ans, on collecte de 15 à 20 tonnes de déchets par jour. Ensuite, on les dépose en cale, donc on fait ça pour l'ensemble des navires de l'Armada. On va les déposer à proximité des installations de traitement du SMEDAR, donc leur unité de valorisation énergétique, et de leur centre de tri collecte sélective, où ils vont y être valorisés en énergie ou préparés pour une valorisation matière. Les responsables de l'Armada ont souhaité que le SMEDAR continue dans les opérations de collecte des déchets des bateaux invités, comme on l'avait fait en 2008, en 2013 et donc en 2019. Donc on a lancé un appel d'offres. On se réjouit, Suez est répondu et puis on est satisfait de cette réponse. Le point de départ, j'y vais, comment dire, quand on a lancé l'appel d'offres, que ça se passe par la Seine, par la barge. Et donc, effectivement, comment dire, l'idée c'est quand même de rentrer dans ce cercle vertueux de l'utilisation de la Seine comme mode de transport et donc de collecte des déchets, avec des enjeux importants en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de sécurité, de commodité, de traitement des problématiques de circulation de cette manifestation qui draine une foule considérable. Responsabilité environnementale dont les marins sont extrêmement récepteurs, je dirais, à la démarche du traitement des déchets. Et quand ils sillonnent les mers du monde entier, ils voient une mer quand même qui est quand même très abîmée. Et donc, voilà, donc l'idée aussi, c'est de montrer aussi des bonnes pratiques avec l'idée, c'est que ces pratiques-là fassent le tour du monde par l'intermédiaire des marins.